Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people de vos artistes d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa. Restez connectés parce que nous avons encore un nouvel invité aujourd'hui qui va nous parler de beaucoup de choses et vous savez comment cette émission se passe. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Mais je ne suis pas seul. Comme mon habitude, je suis avec mon binôme, l'homme aux questions piquantes et tonitruantes, le Big Anaconda. Voilà. Alors, dames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore dans un nouveau numéro de votre émission Atypique et Phare, le Fafa, de l'émission dans laquelle on se regarde, on se dit la vérité et puis ça ne va pas quelque part. On appelle ça Fafa en jargon ivoirien. Nous recevons aujourd'hui un artiste pétri de talents multidimensionnels, mais c'est un artiste humoriste et il est aussi acteur de théâtre par moments. Il tourne un peu dans le cinéma. Il fait partie de la première génération des humoristes en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, c'est quelqu'un qui nous a fait beaucoup, qui nous fait toujours beaucoup rigoler avec ses apparitions, ses scènes. Il est un peu bagarreur, un peu violent. Bon, souvent il est mince, il est sec. Tu peux voir un Diba devant lui, il va le frapper. Tout le monde, même frapper, même étonné par moment. Alors, dames et messieurs, recevez ici dans le Fafa aujourd'hui même, celui-là même. Quand on parle de lui sur Internet, on dit c'est l'homme hein, Abbas. Abbas. Defalé. Oui, Abbas. J'aime ta présentation, la façon que tu as fait. Même tu as dit une nouvelle. Tout ça, là, non, j'ai accepté. Mais ton histoire, il est mince, il est sec, choisi. Ouais. De choisir entre mince et sec. Ouais, mince et pied. Mais sec, là, ça fait manier, c'est pas bon. Mais en tant que toi, tu es mince et puis tu es sec. Non, jamais. T'es pas sec. Non, par rapport à d'autres, moi, c'est bon. Ah, c'est moi, c'est mince, c'est grand élu, là, comment? Aïe. Bon, c'est question, comme c'est mon beau, là. À la bonne. Bien sec. Bon, donc faut faire ton introduction, tu as salué, bah, là où ça a commencé là, vraiment, on devait s'achauffer ici. Ben moi, aujourd'hui là, j'ai pas grand chose à dire, je vais rire, j'ai oui. Tellement de problèmes, que tu veux rire. Je vais rire. Mais ça c'est facile, alors ton habit a été châtié. Monsieur Abbas, oui. Comment va, bonne arrivée. Ça tout, va tout le monde dit Abbas, Abbas, à l'état civil c'est quoi? Il m'appelle Abbas IBM Ouattara. Abbas IBM Ouattara. Oui. T'es un bon joueur. De père et de mère. Ouais. Mais ma mère est bêtée de Soubré. Ah. Et mon épouse est Baoulé. Mon épouse est Baoulé. Donc en fait, tu es métisse. Non. Mm-hmm. C'est mon temps de mangalais là. Qui est là. C'est tout le monde se retrouve dans mon nom. D'accord, on va entrer dans les choses sérieuses. Je pense qu'avant de commencer, je vais saluer Mamie Bakayoko depuis Lyon. Lyon, Dubaï. Mamie, bisous. La fraîcheur. Bien des choses dans ton séjour. Et puis pense à moi. On est ensemble. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité, c'est un peu la cherté de la vie. Hein. Nos mamans vont au marché, c'est très cher. Tu vois, toi en tant qu'homme des médias, homme public, on voulait avoir déjà ton point de vue avant de passer au second plan de l'actualité, la cherté de la vie. Oui, ça existe, les gens parlent la cherté de la vie, mm-hmm. Mais tandis que les gens sont dans la cherté de la vie, on voit leur façon de vivre. Elle a comment leur façon de vivre? Non, quand tu as la cherté de la vie, on doit ressentir ça sur les gens. Mais tu vois, les gars, ils sont dans les histoires de portables chers, mm-hmm. Le gars, il veut porter un habit qui est cher, le dernier iPhone, et puis. Toi, tu dis qu'on va aubergine 3 à 25. Mais ce que tu dis là aussi, c'est vrai que tu n'as pas de vérité, mais il ne faut pas te fier à ce que tu vois, les gens qui ont le téléphone de 1 million, qui sont dans la voiture de 60 millions. Ça, ils ont leur vie, ils ont leur réalité, tu ne sais pas comment ils gagnent l'argent. Mais le peuple qui va au marché, qui a du mal à se nourrir, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on ne peut pas baisser les prix? Sinon, bon. Bon, baisser les prix, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a un ministère du commerce et on a tout ce qu'il faut. D'accord. Mais est-ce que les gars vont sur le terrain? Parce qu'aujourd'hui, tu vas te lever, chacun fait son prix. Hein. Mm-hmm. Moi, il te regarde, il peut dire, bon, les gars, moi, il y a mon gars qui est là, Anaconda, mm-hmm. Ça peut coûter 15 000 francs. Mm-hmm. Bon, si c'est Defalé qui te vend, il sait que toi, tu as vendu ça à combien? Ah, c'est ça aussi. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais la charité de la vie, ce n'est pas dû au pouvoir en place en ce moment? Non, le pouvoir n'a rien à voir. Le pouvoir vient combien de fois à Bobo, mm-hmm. Ou bien à Niama? Mm-hmm. Le pouvoir, c'est quand il y a élection qu'ils sont là-bas. Mais c'est nous-mêmes, en nous-là-même, on ne se respecte pas. Alors, quand l'élection est finie, le pouvoir, il s'en fout du peuple. Non, tu as vu quel candidat, mm-hmm. qui est venu causer toi. Après l'élection, il ne vient plus. Non, quand il y a l'élection, c'est là que demain, il garde, il pile ton photo. Par contre, tu vois le président, il est arrivé, un poisson de garde, il demande à son directeur de campagne.
C'est le poisson capitaine qui dit non, c'est ton, il dit à ton, ton. Ah, mais Abba, j'ai envie de te poser une question. Où sont passés tous ces mouvements de consommateurs de Côte d'Ivoire? Tous ces mouvements sont passés. Enfin, là, je salue Al-Mustapha. Ouais, parce qu'il était président de consommateurs de Côte d'Ivoire à un moment. Bon. Ah, il a été ça? Bon. Mais bien sûr. Al-Mustapha. Ouais. Il est encore en prison, vous voulez le non, il est là, il va très bien. Là, ah, d'accord. Comme tu aimes saluer les prisonniers, il faut saluer aussi Yakou les Chinois. Donc, on parlait de quoi tout à l'heure? Yakou les Chinois, c'est pas un prisonnier. Tu veux saluer ça? Non, parce qu'on est tenté de te poser la question de savoir où sont passées les associations. Non, aujourd'hui, tout cherche à être ministre. Toutes les associations de consommateurs. Ouais, ouais, ouais. Quand ils font là, ils pensent que c'est comme l'autre pouvoir là-bas. Mm-hmm. Ben, l'autre fois, quand on dit que tu es ONG, on te met ministre. Alors que le pouvoir, c'est là. Mm-hmm. Quand le président veut te prendre, c'est qu'il t'a vu à Paris ou bien aux États-Unis une fois. Mm-hmm. Sinon, si tu veux, faire militant, tu passes. Bon, on va parler un peu sport. Je sais que tu suis un peu l'actualité sportive en Côte d'Ivoire. Mmh. Le cas Drogba qui pose un problème au niveau de la fédération ivoirienne, tu penses qu'il mérite ou on doit lui donner la place? Non. Franchement, on veut tenter cette expérience avec Drogba. Moi, je suis de ceux qui supportent Drogba, sans connaître les critères ou tout ce qui se passe. Mais je veux franchement une nouvelle équipe pour voir. Parce qu'il y a eu tellement de Drogba qui va être présent. Drogba, il n'a qu'à faire. Ivoirien, nous, c'est un peu ça l'ivoirien. C'est-à-dire. Bon, on va t'étonner, et puis après, c'est ton, et puis après, à nous tous, on attend quoi. Mmh. Donc, si moi, je devais être parmi ceux qui vont décider de donner un truc, passer à autre chose. Mais est-ce que le, et puis après, ne peut pas être un piège? Parce que quand c'est comme ça aussi, on t'attend au tournant. Hein? Mais bien sûr, on va donner un truc, on attend au tournant. Parce que Eto'o, lui, il a pris Coupe d'Afrique, là. On ne savait pas qu'ils avaient organisé pour être troisième, mais ça nous a plu, t'as vu, non? Donc, on peut dire que. On ne savait pas qu'ils avaient organisé pour être troisième, moi. Parce que quand tu organises, tu fais partie. Mais ils avaient fait pour être troisième. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Ça va donner. D'accord. Sinon, les Ivoiriens disent qu'il est un peu avare. C'est pour cela qu'il y en a qui sont réticents. Non, ça, ceux qui disent qu'ils sont avares là. Mmh. Ça, c'est ceux qui ont leur problème. Le gars, il a couru pour avoir son argent. Mmh. C'est le seul joueur que vous connaissez dans la vie là. Mmh. Moi, par exemple, les histoires de footballeurs, j'ai des amis comme Tony Koutouanantio, mmh. Aruna Dendane. Mmh. Je peux citer. Il y a beaucoup qui sont quand même mes gars, mm-hmm. Tu vois, mm-hmm. Mais chacun quand tu croises Kader Keita, tu croises Tony, tu croises Arna Denani, chacun donne ce qu'il veut donner. Mm-hmm. Mais c'est quand tu es dans les comptes bancaires, et puis aujourd'hui là, on est tous en même sol. Hein. Moi ma base, même quand il passe, les gens disent, ah voilà base, mm-hmm. T'as tiré 10, mm-hmm. Toi là tu fais rire comme ça, si t'as pas donné l'argent, on dit lui là, même Gou même fait rire lui là, il faut rire, qui veut même faire rire lui là. Donc, l'affaire, il est à faire. On n'a qu'à le laisser. C'est ce qu'il peut apporter à la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça qui est important. Sinon, c'est son argent. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mm-hmm. Voilà, ça, on n'est qu'à passer à autre chose. Le peuple ivoirien, entendu. Ton premier prix de ta carrière, là, tu l'as reçu en 2018. Depuis ça jusqu'au 8, tu n'as pas encore été. 87. Oui. Ton premier prix, c'est en 87. Mon premier prix, la première édition des émissions de mm-hmm. télé, d'animation mm-hmm. d'enfants. Voilà, c'était le premier prix. Et le prix, tu as reçu en 2018. 2018, c'est quel prix? Comme c'est toi, tu connais. C'était une récompense. C'était quel prix? C'est toi, tu dis non, d'être là, non? Mm-hmm. Attends, lunettes de Gargamel, là, tu as besoin. Hein? Abbas. Bon, d'accord, excuse-moi. Abbas. En 87. Les grands placements, là, nous tous, on a ça, là, parce que toi, tu as saisi tes Abbas. Yeux. Abbas. Ah, non, mm-hmm. Le prix en 87, tu as reçu, là, jusqu'au bout, toi, à être toute ta carrière, là. On ne t'a pas encore donné un prix, tu n'as pas encore reçu, quoi que ce soit, tu es là. Si, j'ai eu des prix. Mm-hmm. Mais tu sais que nous aussi, à notre temps, il n'y avait pas ces histoires de réseaux sociaux où les gens. C'était médiatisé. Voilà, les gens. Même, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de médiatiser. Mm-hmm. Aujourd'hui, là, les gens se lèvent. Même il allait manger Placali, que nous, on mange avant, là. Il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Il allait faire pipi, il va mettre ça. Nous, on n'avait pas besoin de ça. Mm-hmm. Nous, on est venu au théâtre par conviction personnelle. Mm-hmm. Alors qu'il y a d'autres qui sont arrivés dans la comédie par accident. D'accord. Tout à l'heure, comme qui, par exemple, par accident. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler. Tu as dit non, il est humoriste. Moi, je suis humoriste. Mm-hmm. Moi, je suis comédien. Oui. J'ai appris le théâtre. Mm-hmm. J'ai commencé le théâtre en 87. Dans les amusements. Du théâtre aussi. Voilà, okay. Dans les amusements. Mais à partir de 94-95, mm-hmm. il a développé. Je suis parti dans une troupe de théâtre mm-hmm. avec le forum théâtre de M. Laï Fadiga. On a joué la pièce Après moi, c'est moi. Après et puis moi, après, j'ai passé au moins 5 années mm-hmm. chez un maître de théâtre, Momo Ikissi, mm-hmm. dans le Golem Théâtre, mm-hmm. où j'ai passé 5 ans de formation, j'étais chez lui. Après, c'est parti chez Nakissi Savanesi, le Digi A, mm-hmm. Marie-Josée Ourentier, mm-hmm. Benkadiso. Et puis après, avec Jean-Marc Fouet, on a créé la compagnie Art et Délit que je dirige depuis 2007.
jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu es comédien. Moi, je suis comédien. Mais aujourd'hui, en tant que comédien, là, mais est-ce que tu as le niveau de la nouvelle génération qui sont simplement des humoristes, hein? Qui sont simplement des humoristes, Agalawal, Ramatoulaye ou Magnifique. Et là, c'est des humoristes, c'est pas des comédiens. Donc, tu as plus de qualité que ces personnes-là. Mais eux, là, aujourd'hui, ils sont plus visibles. Ils ont leur grosse voiture. Vous, les anciens, là, vous êtes là comme ça. D'accord. C'est dû à quoi? Moi, ce que je vais te dire tout à l'heure, quand on va, finir l'émission. Non, il faut dire ça au peuple, voilà. Non, à toi, dame, d'abord. Ben, le peuple nous regarde. Voilà. Mais comme ici, là, on est nous trois, il n'y a personne. Voilà. Il vaut mieux te dire, quand on va finir ici, là, faut aller voir ma voiture qui est dehors, là. Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin des réseaux sociaux pour louer ces gens de voitures. D'accord. Et puis, je suis à Bégéville. Je vis chez moi-même. Je suis pas en location. D'accord. Viens voir ma maison. Mais les humoristes, là, il n'y a pas qui vivent en location. Non. Je t'explique. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais je t'explique pour te dire, viens voir ma maison. D'accord. Et puis après, quand tu vas venir t'asseoir, tu vas parler des gens. Moi, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'aimait pas sa vie sur les réseaux sociaux. Tu vas penser que ses enfants ne vont pas à l'école ou bien sa femme n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, ceux qui veulent se mettre sur les réseaux sociaux, c'est leur vie. Moi, je suis d'une génération où nous, on sait où on est quitté. D'accord. Tu vois, moi, à base, je n'ai pas honte de dire aux gens que je prenais bagage au marché d'à propos tanti bagage. Et tu as croisé ta femme là-bas. J'ai croisé mon épouse. Mais ça fait 22 ans que nous sommes ensemble. Ça fait dans ce mois, ça fait 12 ans de mariage. Mais les réseaux sociaux, là, avec l'évolution de la vie aujourd'hui, là, ça permet de faire beaucoup de choses. Il y a trop de mensonges. Donc, Agalawal, magnifique, tout cela, c'est des menteurs. Bon. Ça, il faut aller chez eux. Moi, on est dans un domaine bien précis. C'est Dieu, on parle. Eux, c'est des humoristes. Parce c'est des humoristes. Toi, tu es comédien. Non, mais je t'explique. Dans ce métier-là, le comédien, il peut devenir humoriste, il peut devenir acteur de cinéma. Comme toi, oui. Voilà. Ouais. Mais par contre, l'humoriste, c'est difficile pour lui de faire du théâtre. Parce qu'aujourd'hui, les gens te parlent de one-man show, one-man show. One-man show, en temps normal, c'est une personne. Mais aujourd'hui, quand on te dit one-man show, tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui tournent autour. Donc, ça, c'est pas le one-man show pour toi. Voilà. De deux maintenant, aujourd'hui, tu as fait, j'ai perdu mon fil. Non, j'ai pas fait. Parce que non, je... vous avez tellement posé question. Non, j'avais déjà une question concernant le one-man show. Effectivement, tu réponds déjà à la question. Tu dis qu'il ne faut pas de one-man show parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes. Il y a beaucoup de personnes autour. Voilà, on appelle ça un spectacle. C'est un spectacle. Voilà, sur le one-man show, en Europe, partout, on regarde. Le gars, il est seul. Il est seul. Ouais, et pendant une heure du temps, il appréciait son public. Voilà. Mais les humoristes dont on parle, tu dis qu'on... Toi, tu es chez toi, tes enfants vont le corps, on est d'accord. Mais ces humoristes-là, apparemment, aujourd'hui, cette nouvelle génération-là, ils ont plus de dates que vous, les anciens. Ils ont plus de quoi? Dates, des rendez-vous, aller dans les spectacles, à l'extérieur. Ah, bon, voilà. Ça, c'est parce qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux que tu as vu. Donc, tu penses que toi, ton talent, en tant que comédien, ensuite, même si les réseaux sociaux vont t'appeler comme ça, aussi avoir les gros cachets? Je demande, hein? Non, je ne sais pas, on demande. Non, tu ne demandes pas, tu affirmes. Non, parce que moi j'ai pas besoin. Moi j'ai pas besoin. Avec aujourd'hui mes enfants qui ont grandi, ils ont, je suis même grand-père. Mais les autres là, ils ont des enfants qui grandissent. Hein. Ah d'accord, tu sais pas. Tu as vu la chance qu'on a, c'est que toi tu vis chez eux, tu connais au moins leur vie. Donc le jour que tu as le temps, moi je te permets de venir faire au moins une semaine chez moi. Tu seras l'un des gars à mieux parler de moi quoi. Comme tu vis chez eux, tu connais comment ils ont rendez-vous, tu sais où ils vont. Viens chez moi aussi, tu vas voir. D'accord. Donc toi tes rendez-vous là, tes sorties, tes rendez-vous aller faire tes spectacles à l'extérieur, tes séries. Toi tu publies pas, hein, tu n'en parles non, pas. Non, 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 moi c'est celui qui m'a dit. Mais comment les gens vont faire pour savoir que Abbas était à Paris, Abbas était en Guinée pour tes spectacles, Tu n'en parles pas. Il n'y a pas de service de communication toi dans ton staff. Si, mais tu vois mes photos. Mais comment on voit pas? Donc tu sais que tu n'es pas abonné sur ma page. Sinon quand tu es sur ma page, tu vas savoir qu'il était à Paris, il était à Moscou. Tu vois? Donc il y a tout ça là. Voilà. Mais toi, la chance qu'on a aujourd'hui là, tu sais, votre émission là, les gens aiment beaucoup votre émission. Hein. Pourquoi? Mais votre papa Toya là, c'est-à-dire vous, on sent que vos parents vous ont mis à l'école pour sortir juge pour toi et comptable pour l'autre. Mais vous intéressez tellement papa Toya à l'école qu'aujourd'hui vous venez. C'est-à-dire vous, des grands garçons comme ça, regardez comment vous faites. Tu vois, c'est toi qui es là, non, regarde, voilà, ça, tu dis même à toi-même, tu as ça, hein. Magnifique à ça, lui à ça, mais toi-même là, on est dans quoi? On est dans votre domaine. Donc toi, ton domaine là, c'est quoi? Non, moi, c'est le seul journaliste, non, toi, l'animateur qui n'a pas besoin. Dans mon domaine, on va parler, mais en tant que comédien. Moi, je suis à l'aise. Tu es à l'aise, non? Oui, mais les humoristes, la nouvelle génération, ils font des capsules de 5 à 6 minutes, 4 minutes, et puis boum! Mais vous, les anciens, c'est qui le président de la Fédération du théâtre en Côte d'Ivoire? Il s'appelle Adam Adepodjou, taxi compteur. Il n'a pas fait que recevoir pour vous, parce que le théâtre meurt en Côte d'Ivoire. Oui, non, le théâtre meurt parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette plateforme où on peut faire du théâtre. Avant, il y avait le théâtre chez nous. Il y a eu des gens comme Fargas Assadé, Momo Ekissi, Ignace Alomo Pes, Asonam. Il y a beaucoup de personnes, Biti Moro, Bienvenue Ba, Alexis Donzigré, qui sont partis du théâtre chez nous. Mais aujourd'hui, là, l'émission qu'on a pour l'humour, c'est quelle émission?
Parce que j'allais en venir. Ils vont te parler de bonjour. Oui, mais tu allais un peu trop vite en besogne. Moi, j'allais en venir. Parce qu'il est un peu vite en besogne. Non, lui, tu ne le connais pas. Il est rapide, mais il ne va pas nous dire. Parce qu'effectivement, on constate, il y a un constat qu'elle a Anaconda. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le théâtre se meurt en ce moment. Non, on a commencé, non, le théâtre est en train de mourir, mais on commence à relever le théâtre. Depuis qu'on a fait notre, la fédération. Non, comment on appelle, quand on fait l'élection là? Assemblée générale élective. Ouais, l'assemblée AG. Voilà, notre AG, et qu'on a élu Adam Adepoju. Aujourd'hui, on est en train de tout faire. Le massacre aujourd'hui, vous avez vu, le théâtre quand même a donné beaucoup d'images. Mm-hmm. Et nous sommes en train de voir comment faire le théâtre. Pour aller mais vers la population. Il n'y a pas communication dessus, on voit quoi. Alors, moi, je dis que le théâtre est mort, ce n'est pas parce que les gars, la fédération ne travaille pas ou pas, mais ils doivent s'actualiser. Mmh. Mais attends, des personnes qui viennent aujourd'hui, c'est comme le coupé décalé, rap pouvait venir. La nouvelle génération est venue, ils sont en bas. Mais les nouveaux humoristes qui sont arrivés là. Mais Joe, ils ont innové. Ça fait que le théâtre aujourd'hui, l'Ivoirien qui est assis là, Joe, il va sur les réseaux sociaux, on m'a dit, il y a un one man show de Agala Waloum et Ramatou. Les gars sont là et puis prend son plaisir. Donc quand on lui parle d'Abbas, ou il y a qui encore commencé à gay, il est là, il va pas. Mais non, Anaconda, ce que tu dois comprendre, j'essaie de t'expliquer ça, mais vous avez tellement de questions que vous voulez forcément poser, que vous mélangez vous-même. Ici, on vous parle de théâtre, d'humour et de cinéma. Le cinéma, on rit, non? Voilà. Non, on ne rit pas dans tout. On ne rit pas, même l'humour aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, Anaconda, il y a des humoristes qui ne te font pas rire. Moi, tous me font rire. Non, c'est vrai. Non, c'est que Evili te fait pas rire. Parce que tu as dit son nom, c'est que tu te fais pas rire. Tu tiens une place chez Evili là-bas. Et sinon, il te fait pas rire. Evili, c'est sur quelle partie d'Evili qui te fait rire? Tu ne suis pas Willy alors? Si, je suis, mais toi, qu'est-ce que Evili a dit qui t'a fait rire? Moi, même Willy met son visage quand il est là, comme visage de qui il est rire, moi seul. Tu vois comment il est. Maintenant, tu dis cela, ça te fait rire. Ça te fait rire comment? Non, en tout cas, c'est pareil. Tu vois, aujourd'hui, là, le problème, c'est que tout le monde pense qu'il est star. Alors que dans ce métier, il y a trois temps. Il y a la popularité, il y a la célébrité et puis il y a Star Mania. Les gens confondent tout. Ah, moi, je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, non, ça, c'est un grand développement. Voilà. Aujourd'hui, quand tu commences à passer à la télé... Attends, répète encore. Ça, c'est vraiment... Non, dans ce métier, oui, il y a la popularité. La popularité. Il y a la célébrité. La célébrité. Et puis il y a Star Mania. Star Mania. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. Aujourd'hui, quand tu commences, tu es populaire. Quand tu commences à être populaire, un peu, tu deviens célèbre. Et puis après, tu es star. Moi, je joue dans des films avec Gohou, tout. Mais Gohou est star que moi. Tu ne peux pas nous comparer. D'accord. Même nous, on nous voit sur la même scène. Mais tandis que Gohou est star que moi, moi, je suis célèbre que d'autres personnes. Et ces personnes sont populaires. Mais aujourd'hui, quand on se retrouve, elles nous disent collègues. Moi, je ne suis pas collègue de d'autres personnes. Tu vois? D'accord. Parce que aujourd'hui, il y a le comédien. Il y a l'humoriste et puis il y a l'acteur. Quand on dit comédien, il y a Bouhiri, il y a Abbas, il y a Jimmy, il y a Kevin, il y a Omega, il y a Daiko, il y a Gohou. Je te comprends la parole. Il y a Adrien, je veux finir. Et Boukari. Adrien, et puis il y a les humoristes. Et Boukari. Boukari, il est humoriste. Agalawal, humoriste. Magnifique humoriste. Ramatoulaye. Humoriste. Mais c'est différent de Gikalou. Comment on appelle Femme VI, qui sont des acteurs. Des acteurs. Tu vois, c'est différent. Mais les gens pensent que parfois, même tu vas aller voir sur les réseaux sociaux, le gars est web, il mourit. En fait, tout est mélangé. On dit comédien. Mais comédien. Non, non. Dépalé et moi ici, on fait la part des choses. On connaît le talent du comédien, on connaît le rôle du comédien, on connaît le rôle de l'humoriste. Mais vous, les comédiens, vous aujourd'hui là, oui. Vous ne te collez plus. Il y a rien. Que... Non, quand tu dis. Tu joues dans quelle séance en ce moment? Quand tu dis tu ne te colles plus, on ne te colle plus. C'est un peu frustré déjà. Excuse-moi de te dire alors. Non, moi tu peux pas me frustrer. Parce que avant Gohou, Digbé Cravate, les autres on vous voit pas, vous maintenant, les laissez. Maintenant, Digbé tu l'as vu dans quelle série? Digbé il a fait l'Hôtel d'Ivoire. Il a fait quoi? Il a fait l'Hôtel d'Ivoire. Il était architecte ou même menuisier. Il allait faire son spectacle à l'Hôtel d'Ivoire. Vous les comédiens. Vous les comédiens là, vous êtes combien? Il a fait l'Hôtel d'Ivoire. Moi je pensais que c'est ceux qui prennent des chaises à l'Hôtel d'Ivoire. Il allait faire son spectacle à l'Hôtel d'Ivoire, il a fait le plein. Vous les. Il a fait quoi? Le plein. Il a fait le plein vraiment. Maintenant, c'est ce que je veux te dire. Tu vois. Bah d'accord, vous le comédien. Qui a fait l'Hôtel d'Ivoire? Nous. Moi, j'ai dormi là-bas. Vous voulez me trouver une chambre en 7 ans. J'ai dormi à l'Hôtel d'Ivoire. Ah, c'était bon. Hein. C'était bon même. L'Hôtel d'Ivoire. Surtout la chambre 139. Ça n'a pas même bien été. C'était trop bien fait. D'accord. Surtout la nourriture même, ils ont envoyé ce jour-là, ça m'a plu. Mais ce que je veux te dire. Vas-y. Aujourd'hui, vous regardez les spectacles.
Toi, tu es fier de dire, quand tu es assis ici, tu es fier de dire, oui, tel a rempli la salle, tel joue dans tel pays. Tu es allé voir le spectacle, ça t'a plu. Moi, le spectacle. Non. Oui, je t'ai posé. De toute façon, tu poses une question, on peut parler en nous. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne se passent plus sur le spectacle qu'on donne. Mm-hmm. On se contente de remplir la salle et puis hop, c'est passé. On peut remplir la salle. Les gars sont là à la maison et puis ils viennent pour regarder un spectacle. Mm-hmm. Mais ils s'en vont là, tu as posé une question. Toi, Anaconda, grand type, tout le monde aime ta façon de présenter une émission. Mm-hmm. Mais si tu t'es une fois déplacé pour aller dans un spectacle pour faire le bilan, pour te poser des questions, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez aimé? Toi, tu te condamnes de ta chambre, dis non, t'es la remplissage. Mais très souvent, là, quand on va dans un spectacle, là, oui. À travers l'ambiance, à travers les sourires, à travers les regards des spectateurs, tu n'as pas besoin de poser une question si tu es aimé ou pas. Ah bon? Ben oui. Donc toi, à travers ton regard... Mais un spectacle de théâtre, on peut s'écouter. On peut s'écouter. Toi, à travers ton regard que tu donnes à une fille, là, elle doit comprendre si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est différent. Quelqu'un, qui va inspecter pourri, quelqu'un qui va inspecter pourri, tu vois toute la salerie, tu peux cravate, aller voir... Toute la salle est là-bas. Je suis là-bas. À quelle place? Parce que si tu étais là, il y a une chaise, il y a un numéro. Tu étais à quelle place? Tu étais à quelle place? Moi, j'étais arrêté en salle. Dans l'hôtel, j'ai fait le tour, j'ai regardé. Et j'étais à son spectacle. Le second à 13 villes, j'étais là aussi. Ah. Ok? J'étais là. Les acteurs qui étaient là, les invités qui étaient là, tout le monde a bien joué, tout le public était content. Sauf que peut-être qu'à 13 villes, il n'y avait pas du monde, on est d'accord. Mais allez voir. Un peu, tu es arrivé à la maison. Ouais. C'est donc, un peu, manque. Un peu, tu vois. C'est toi. Il a envie de voir ses palais de la culture. C'est toi, aujourd'hui, tu n'as pas encore les qualités de faire Hôtel Ivoire un spectacle. Bon, ça va venir avec le temps. Non, moi, ça ne m'intéresse même pas. Pourquoi? Non, aujourd'hui, où je suis là. Comment ça si tu as remarqué, ça? Si tu as public peut parler là-bas. Non, si tu as remarqué, quand tu arrives à moi, mon niveau là, par exemple, je disais ça sur un plateau de télé. Il dit non, moi, à mon niveau où je suis aujourd'hui là, je ne fais plus de clash. Non, ce n'est pas clash. Non, je t'explique, je ne fais plus de clash. C'est-à-dire, il y a des trucs que je ne veux plus être dedans. Je suis producteur d'une série actuellement là. Je suis en train de produire une série de 52 épisodes de 26 minutes. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas le temps pour venir m'asseoir ou même pour dire que non. Telle a fait spectacle ou telle. Quand quelqu'un fait son spectacle, il m'appelle. Il peut dire, ah, j'ai mon spectacle, je communique. Comme actuellement, à Garawal, je suis en train de communiquer sur toutes mes pages. En cas de cas, j'ai fait la même chose. Maladamo, j'ai fait la même chose. Mm-hmm. Pour le spectacle de Go, j'ai fait la même chose. Moi, depuis 2006, je suis en train de jouer au Palais de la Culture. Mm-hmm. Peut-être qu'en ce moment, tu n'étais pas encore à Abidjan pour savoir que j'étais en train de jouer. Mm-hmm. Comme tu es en train de parler des autres sans vouloir parler de moi. Mon premier spectacle, j'ai fait 2 jours dans la 700 places. Là, c'était dans 1 heure et fera jour. Mm-hmm. Mon deuxième spectacle, c'était dans 1 heure et fera jour. J'ai fait aussi 2 jours à la 1500 places. Mm-hmm. Mon troisième spectacle, c'était Dieu était au contrôle. Mm-hmm. Tu vois, ce spectacle-là, je suis passé par là. Et puis, tout dernièrement, j'ai fait mes 15 ans. Mm-hmm. Mais j'ai rempli mes salles. Mm-hmm. Maintenant, toi, c'est passé même sur plusieurs chaînes de télé. C'était 15 ans, oui. Voilà, mes 15 ans sont passés. Mm-hmm. Bon, là, au moins, peut-être tu étais à Abidjan, tu as eu la chance de regarder à la télé. Mais cela ne veut pas dire que, comme toi, tu ne m'as pas vu dans ce spectacle de Digbé ou bien de temps, ça veut dire que je ne suis pas à la mode. Non, nous, à notre temps, quand nous faisions les spectacles, c'est ce que tu t'en vas présenter. Si la salle veut, il ne faut pas que la salle soit remplie, mais ce que tu présentes, est-ce que toi-même tu joues pour te faire plaisir? Mais aujourd'hui, eux, ils jouent là. Ils veulent faire plaisir aux gens. Et qui? Ceux que tu prends leur nom avec fierté. Eux, ils vont jouer pour faire plaisir aux gens. Mais aujourd'hui, là, ceux qui viennent au spectacle, tu vois, c'est tout le monde qui a l'envie de venir. Aujourd'hui, dans notre métier, là, si tu es aimé par l'enfant et la femme, tu es déjà célèbre à 75%. Mm-hmm. Si tu es aimé par le monsieur seul, tu es célèbre à 25%. Alors, Abbas, il paraît que tu t'es lancé dans la production artistique. Que tu as un artiste en cours qui sort bientôt. Oui, j'ai commencé depuis Belle Lurette avec Guy-Landré, Paix à son âme. Ok. Je suis. Tu étais son producteur, Guy-Landré. Oui, Guy-Landré. D'accord. Okay. Et j'ai aussi Bilan Succès. Bilan le succès. Binôme de Samy Succès. Samy Succès, ouais. Voilà. Il y a les piliers. Et puis, il y a un tout dernier que je suis en train de finir. Le clip et beaucoup de choses. Il s'appelle Odier Parfait, un jeune artiste hébreu que j'ai vu à une cérémonie. J'ai aimé sa chanson. Dans quel style? Tradi moderne. Tradi moderne. Ouais, sinon je suis trop fanatique du Zouglou. Voilà. D'accord. Alors, mais Abbas, dis-moi, de toute ta carrière, tu as eu des décorations? Bien sûr. Cheval de l'ordre national du mérite. Non. Cheval, tu ne connais pas son propriétaire, tu ne connais pas sa couleur.
Du coup, en Europe, tu n'as pas de transport pour aller à Port-Bleu pour prendre l'avion. C'est toi, tu t'en paries sur lui. Dès qu'ils ont appelé les gens pour dire non, ils seront cheval aussi. Parce qu'ils vont non. parler sur toi. Parce que, pour imaginer toi, à moins cheval, ça va donner quoi? Guéiver un cheval, ça va donner quoi? De nature, tu es bagarré? Non. De nature, tu n'es pas bagarré? Non. Ah, d'accord. De nature, j'essaie de répondre. Moi, ouais. Dieu m'a donné la chance avec les mots qu'il faut pour te dire. Mais tu as fait 12 ou 13 ans en fréquence 2 et puis tu es parti. Non, j'ai fait 15 ans, j'ai 15 commencé ans. En 2005. Tu es parti? Oui. On ne te payait pas ou mais c'est les caprices qui ont fait ton parti? Non. J'étais fatigué un peu. J'ai commencé avec une équipe, beaucoup sont décédés. Tu as eu peur quoi? Non, pas j'ai eu peur. C'est moi, je me suis venu un beau monde de personnes là-bas. Et dans la vie là, il faut savoir partir. Quand tu n'as, mais quand tu dis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand tu dis faut savoir partir? Non, quand il faut savoir partir dans la vie là, tu vois, c'est peut-être que ce n'est pas l'exemple chic. Mais avant, quand Zahon Gaï Brouwer Magneto et Kazekanyope à son âme passait à Bobo, où moi je suis un enfant de Bobo, moi je courais pour les regarder. Et puis après, imagine-toi, moi je suis sur le même podium avec Zahon Gabriel en train de jouer. Il y a des gens, mais leur rêve c'était c'est de croiser à passe ou d'être avec à passe. Mais quand tu arrives à un niveau où tu sais que tes enfants ont grandi dans la maison, change de comportement. Attends, donc c'est le fait que tes enfants ont grandi, toi tu as arrêté de travailler? Non, pas que j'ai arrêté de travailler. Mais ce que je vais te dire, mais on ne peut pas arrêter de travailler. La radio, il y a fait 15 ans. Ils t'ont chassé ou bien? Bon, chacun a sa, son imagination sur la chose. Si on m'avait chassé, ça allait faire du bruit. Et puis la personne même qui est directrice de la radio fréquence de là, c'est qui pour moi d'abord pour qu'on me chasse? Il y a tout ça dedans. Mais j'ai trouvé que je veux prendre un peu de temps à me consacrer à moi-même. L'émission, c'est tous les lundis. J'ai commencé l'émission les dimanches avec Juliette Ancien, père à son âme, Miss Edium, père à son âme, Albertine Tizier, père à son âme. Tu vois, je suis pratiquement resté le seul. Le plus ancien. Voilà. Et il y a une nouvelle équipe qui devait venir. Moi-même, j'ai aidé d'autres personnes à venir. Ah, d'accord. Donc, du coup, j'ai fait 15 ans. C'est-à-dire sans relâche, 15 ans. Après 15 ans, toi-même, tu t'es dit, bon, je vais où? Dans tout ça, donc, ce qui a fait que j'ai pris. Voilà, j'ai demandé. Alors, tu as fait partie aussi de ma famille? Oui, je suis rentré dans ma famille en 2004. En 2004. Et tu es resté dans ma famille pendant combien de temps? Jusqu'aujourd'hui, je suis encore là-bas. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore là-bas. Oui. Alors, mais bon, toi, tu es là-bas jusqu'aujourd'hui. Mais il y a certains comédiens qu'on a reçus ici sur notre plateau qui se plaignent que la rémunération n'était pas conséquente. Qu'ils sont mal payés. Donc, c'est que toi, tu es bien payé. Alors, si tu restes là-bas. Mais moi, je suis bien payé. Parce que dans un premier temps, quand elle faisait ma famille, ce n'était pas pour payer les gens. Elle voulait faire un film. D'accord. Il y a beaucoup même qui sont venus vous dire qu'ils sont mal payés là. Oui. Ils ont demandé pardon pour venir dans ma famille. Bon, en fait, la personne qui nous a dit ça officiellement, c'est cette base de Thérèse. Elle dit qu'elle est mal payée. Voilà. Bon, et puis, du coup, elle continue de tourner. En tout cas, c'est ce qu'elle nous a dit ici. Voilà, nous, on te demande. Non, moi, je ne peux pas vous dire ça. Moi, je ne crois même pas. Parce que aujourd'hui, où on est là, ma famille là. Moi, à part, c'est comment c'est rentré dans ma famille. Moi, je suis parti voir Eleonore Kwame, que je salue de passage, qui est à Paris, et Marie Lopé à son âme. Et je suis parti voir Eleonore, parce que c'est elle qui m'envoie à la télé. Et puis, il y avait un acteur qui n'arrivait pas. C'est comme ça, Eleonore a dit, bon, donnez le rôle à base. Les gars ne voulaient pas. Elle a tempêté, et puis Amélie Wabé a mis pour elle dedans. C'est quand Gohou passait, que Gohou a dit, ah, voilà mon fils, ils m'ont donné le rôle. Et mon jeu d'acteur a fait qu'on m'a retenu dans ma famille. D'accord. Depuis lors, moi je suis dans ma famille. Aujourd'hui, où on est là. Toi, Anaconda, yes. Tu me connais très bien. Donc, si toi tu me dis, Abbas, viens m'aider à tourner un truc, je ne vais pas discuter caché avec toi, je vais venir parce que je te connais. Mais c'est ceux qui sont à côté qui vont me dire, tu sais que le film d'Anaconda, ça marche, non? Ça va devenir pas là. Mais moi-même, Abbas, il doit savoir où je suis quitté pour arriver là. Il y a ça aujourd'hui que beaucoup d'entre nous ignorons. Tu étais chez toi à la maison, tu ne savais même pas comment on se déplace devant une caméra. Quelqu'un t'a appris, on t'a mis devant une caméra, tu penses que tu es trop star. Ah, mais ce n'est pas pour toi si tu peux rester dans l'exploitation. Le gars, c'est non, ce n'est pas l'exploitation. Le gars, c'est vrai qu'il te tend la main, il te tend la main, il te fait une ouverture, il te donne la visibilité, il te fait connaître, tu gagnes ton pain. Mais quand toi, tu estimes à un moment donné que tu vaux mieux, ça se discute. Ce n'est pas pour toi que tu vas rester là. Merci. La phrase que je cherchais là, c'est ce que tu as dit. Il y a eu la première saison de ma famille qui est finie. L'agent vous a séparé. Non, l'agent n'a séparé personne. Elle a fini de tourner en 2008. Elle dit c'est fini.
Donc, elle devait reprendre. Après 2008, on a repris 2016, 2017, là-bas, c'est-à-dire 10 ans après. Mm-hmm. Quand tu dois revenir, tu résignes tes contrats. Donc, mais tu ne signes pas le contrat. Tu as renégocié. Voilà, nous autres, chacun de nous a renégocié ce contrat. Elle a dit non, toi je te paye tant. Si ça ne va pas, tu dis ça va pas. Oui ou non. Voilà. Moi, par exemple, j'ai vu sur des plateaux de télé, on dit non, nous on a trahi les gars de ma famille. En 2008. Okay. Moi, je suis à la maison, il y a un monsieur qui m'appelle, me dit bon, viens, tu as tourné un film pour moi. Je te paye 1 500 000 chaque fait de moi pendant 3 ans. Bon, les privilégiés de ma famille, là, et ils ont déjà signé là-bas. Moi, je vais m'asseoir pour dire non. Alors là, tu as raison. Non, je suis parti. Mais ils ont m'appelé sur le plateau de tournage pour dire, de télé pour dire non. Oui, tu as abandonné la famille. Tu as abandonné ma famille. J'ai dit bon, est-ce que Delta m'a appelé pour dire à tournage et puis je ne suis pas parti? Jamais. Parce que moi, dans mon contrat, j'ai signé le gars. Il lui a dit tu me connais par rapport à ma famille. Famille. Donc, s'il y a quelque chose, je viens là-bas. D'accord. Mais ça, c'est moi à passe. Mais d'autres, quand ils ont vu l'argent, ils oublient qu'ils ont quitté quelque part dans la ville. Quand tu ne sais pas où tu es quitté, là où tu vas là. Souviens-toi au moins d'où tu viens. C'est important. Défalé, tu as quelque chose à dire? Oui, parce qu'en fait, j'ai aussi un constat que j'ai fait. Tout à l'heure, j'ai entendu Abbas y parler. On parlait des one-man shows qui ne sont pas des one-man shows. Bon, aujourd'hui, il y a aussi les web humoristes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ils font l'effort. Ils font l'effort. Mais moi, ce que je conseille à tout le monde, tous ceux qui s'approchent de moi, tous ceux qui veulent être acteurs de publicité ou de quoi que ce soit, apprenez le théâtre. Okay. Ça va vous amener quelque part, ça va vous donner quelque chose. Parce que nous-mêmes, comédiens que nous sommes là, il y a des moments où nous-mêmes, on sent que là, là c'est chaud. Mais parce que nous sommes comédiens, ça nous arrange. Donc, que tu es web humoriste, que les gens commencent à t'applaudir, il vaut mieux apprendre. Parce que pour toi, tu veux faire de ça un métier. Bien sûr. Tu sais, quand on ferme on ferme les yeux plutôt et qu'on fait ça, c'est applaudissement. C'est pas même geste, mais c'est même bruit. Tu vois? Bien sûr. Donc, tu t'appelles que le gars soit en train d'applaudir et puis quand il fait ça, le gars là, il a essuyé son pantalon. Mais c'est le même bruit là. Tu penses que les gens t'applaudissent? Mais ça, c'est très profond ce que tu dis. Maintenant, on va parler encore des humoristes. Les humoristes là, ils ont une formation. Oh, mais hey, comment ils font? Ils sont venus dans le tas comme ça? Non, le plus souvent, beaucoup sont venus par accident. Et ils ne me demandent pas c'est qui. Non, ils ne pas te demander c'est voilà. Qui. Mais beaucoup... les humoristes en Côte d'Ivoire là, on sait qui y a qui et qui et qui. Donc, ils n'ont pas de formation. Ils sont venus par le tas comme ça. Non, beaucoup sont venus par accident. Parce que tu racontes deux, trois... Il y en a qui étaient humoristes, ils sont devenus chanteurs, après ils sont chanteurs, ils sont humoristes. Non, on peut tout faire. En Amérique, Will Smith, il a chanté, mais il a fini par être acteur. Ils n'ont pas de formation. Non, c'est artistique. Tu peux, ça peut être humoriste, tu peux avoir des qualités en toi. Et Yves Dero, elle est située où? C'est qui ça? Aïe, toi tu ne connais pas Yves Dero. Donc comme on n'a jamais mangé encore sur la même table, je ne sais pas. Ah, donc tu ne connais pas Yves Dero? Yves Dero, je sais qu'elle anime une émission... Maintenant, il me dit, elle est humoriste. Non, moi, je te demande, elle se situe où? Elle est humoriste ou bien elle est comédienne? Quand vous lui demandez, elle-même, elle dit, elle est où? Non, toi, c'est ton domaine. Non, moi, c'est pas mon domaine. Tu es ancien? Oui. Okay, donc, Yves Dero, tu ne la suis pas ou il y a un problème? Il y a un problème de personne entre elle et toi? Je ne l'ai jamais vu comme cela même. Mais tu ne suis pas ses actualités, ses spectacles? Non. Ah, et Eunice Zino? Eunice, c'est une petite que j'apprécie bien parce qu'elle est coachée par Narcisca. Tu connais Eunice, mais tu ne connais pas Yves Dero? Mais ben, les deux sont dans la même maison. Non, je te pose une question. Mais c'est pas, tu me poses une question, on dirait que les deux vivent ensemble. Bon, d'accord. Okay. Bon, d'accord. À Eunice, non, ah, bon, bon, bref, dis-moi, Marcos, c'est le comédien mais le humoriste. C'est qui? Tu sais, Abbas, il faut qu'on se respecte. Non, c'est qui? Il faut qu'on se respecte. Tu as eu à dire. Tu as eu à dire dans une vidéo. Il y a des artistes qui ont le nom d'artiste. Abbas, tu as dit dans une vidéo ou dans une émission que tu n'aimes pas Makosso. Donc, quand tu te demandes aujourd'hui Makosso, il est humoriste ou un comédien, tu dis que tu ne le connais pas. Mais c'est qui? J'ai dit, après que tu viens demander là, demande-moi à moi, Abbas, si je suis braqueur, tous mes yeux voleurs. Je ne te demande pas. Voilà. Je te dis, mais tu prends, tu le laisses lui là-bas. Ça. Mais c'est les gens qui sont dans le même domaine que toi. Ah bon? Oui. Moi, j'ai appris théâtre. Yves, il n'a pas appris théâtre. Bon, quand tu parles, Eunice Zino, par exemple, moi, je l'ai croisé. Je l'ai vu comme cela. Elle m'a dit, ah, je vais, ce métier, ça me plaît, je vais apprendre. Oh, le moins, je vais parler dans son affaire. Mais là, ce que tu es en train de dire, leur nom là, franchement, moi, je ne les ai jamais croisés comme attends, ça. Abbas, tu n'es pas un peu dépassé, tu n'es pas la page, on dirait. Hein. Ah non, en tout cas, c'est que ma page là, c'est pas tout. Ça ne sort pas chez toi là-bas. Il y a beaucoup qui voient ma page. Mais toi, si tu vois. Il est un peu Asbin, quoi. Non, pour lui, mais c'est pas Asbin. HS, en service. D'accord, Défalé. Non, vous êtes vas-y, Défalé. Non, ce que tu as dit là, non, là. L'un, Défalé. Parlons. Ce que tu as dit là, non, là. Et même, ils sont qui pour toi? Mais c'est des acteurs. Ah, c'est des humoristes. Oui. C'est des comédiens. Ah, bon, t'es dans le domaine. Maintenant, si tu as vu le nom, non, maintenant, on a vu une femme comme Yves Dero, elle fait spectacle.
Voilà, tu vois, non? Allez, donc, ce que je vais t'expliquer, si toi, oui, ces personnes-là, tu ne les connais pas, à moins qu'il y ait un problème de personne où tu n'es plus d'actualité. Je n'y suis pas. Tu n'es plus d'actualité. Non. Anakonda. Tu connais Gou? De père et de mère. Ah. Tu connais Dibouy Cravate? De père et de façon. Magnifique, tu le connais? Bien sûr. Ah. Agalawal, tu le connais? C'est mon fils même. Mais Yves Doro, tu ne la connais pas? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Non, toi, t'es un vrai comédien. Défalé. Non, en plus d'être comédien, je suis véridique. Parce que même à elle-même, si tu demandes, est-ce que tu connais Abbas? Elle va te dire, on ne s'est jamais croisé. En plus, non, on ne s'est jamais croisé. Oui, on peut ne pas se croiser, mais sur l'actualité de l'autre, ou se croiser sur des plateaux télé ou des plateaux spectacles. Attends, mais Anakonda, yes, franchement, tu penses que tout le monde se définit? Non, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu comme ça. Donc, ça, tu n'es toujours pas d'accord. C'est comme ça que je ne l'ai jamais touché. Maintenant, quelqu'un que je n'ai pas jamais vu. Alors, tout cela, c'était le nom à Téléza. Je l'ai déjà vu. Non, à Téléza. Et nous, je l'ai vu chez moi. Je la connais. Mais Ramadan, par exemple, je suis parti dans le secteur des grands pays en Guinée. J'ai croisé Bravado. On a parlé. Donc, il y a des gens que je connais. Je peux les défendre. Je peux même parler d'eux. Toi, tu me parles de ta camarade, tu veux quelqu'un faire promotion de ta camarade? Excuse-moi. Toi, et puis toi, le lien qui est entre toi et Yves Doro là. Ne prends pas. Ça, c'est un. Non, jamais de la vie. Tu n'es pas un peu jaloux d'elle? Si, je suis très jaloux. Ah, voilà. T'as pas vu ma voiture là récemment? J'ai pas vu ta voiture. Ah, donc je ne sais pas pourquoi elle est jaloux. Mais parce que tu n'es pas jaloux. À moins qu'il y ait un problème de personne, mais tu sois jaloux d'elle. Oui. Si tu penses que tout le monde est jaloux de vous, votre amour, toi et puis Yves Doro là. Ça, c'est entre vous. Sur le moment, parce que je ne sais pas, j'ai mes problèmes à gérer. Tu dis, Yves Doro, maintenant comme tu la connais, et que toi, il y a un bon lien entre vous, demande-lui si elle et moi, on a une fois parlé. Il fallait voir l'appeler, il a son numéro. Ah, c'est lui qui est son camarade. En cas de quoi, c'est sur moi, mais il a le numéro. Alors Abbas, oui, quelles sont les perspectives à venir, disons, actuellement, mon idée première, voilà, c'est de finir ma production. C'est-à-dire ma série. La série de combien d'épisodes? 52 épisodes de 26 minutes. Wow. Qui sont en train de finir sur acteurs et producteurs. En même temps. Voilà. Donc c'est fini ça. Est-ce qu'il y a des noms d'acteurs ou bien tu as pris des nouvelles personnes ou... Non. Moi, je suis beaucoup conservateur. D'accord. Il y a Fortuné. Fortuné, d'accord. Il y a Omega. Omega, d'accord. Il y a, comment on appelle, Jimmy Danger. Ok. Il y a Dayo Oupo, qui est mon oncle. Il y a Gou Michel, il y a Dao. Ceux-là, sont déjà Amélie Wabéi. En fait, tu as gardé l'équipe, en fait. Voilà, j'ai gardé mes amitiés. C'est-à-dire, je ne suis pas comme Anakonda. D'accord. C'est-à-dire, tu t'assois à la maison et puis tu cherches l'amitié loin. Voilà, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, ceux qui sont à côté de moi, là, je travaille avec eux. Maintenant, si Anakonda pense que lui, il veut forcément passer sur nos chaînes de télé ou bien nous l'inviter sur un plateau, là, c'est un autre truc. Moi, à part, je ne rentre pas dans ce genre de polémique-là. Où je suis là, matin, mes amis, mes enfants, mon papa, on compte sur toi le soir, là. On veut manger quelque chose. Et puis, comment il est rentré à la maison avec ça, là? C'est ça qui m'intéresse. Sinon, si toi, tu penses que des gens sont jaloux de d'autres, franchement... Non, moi, je t'ai demandé, parce que moi, je suis surpris que tu ne la connais pas. Mais pourquoi? On dirait que tout le monde a même yeux, on doit regarder la même chose. Toi, tu es un ancien, tu es un devancier. Oui. La nouvelle génération qui est là, on te parle d'une personne, tu dis que tu ne la connais pas. À moins qu'il y ait un point, puis tu as parti pris. Bon, il n'est pas le seul à dire qu'il ne la connaît pas. Moi, je ne la connais pas. Bon, attends, où on est là? Où on est là? Toi-même, en tant que bon présentateur d'émission, là. Je me débrouille. Voilà, tu connais Papa Cool? Ah. Non, tu l'as vu quand dans ces jours-là? Baba Cool, là, on n'est pas amis. Mais je connais Baba Cool. Tu l'as vu quand dans ces jours-là, tu l'as vu? Non, ces jours-là, je ne l'ai pas vu. Mais attends, tu es jaloux de lui, toi, tu quittes la terre. Tu es maîtris. Baba Cool, quand même, c'est un démoncier. Tu pries pour aller le saluer au moins. Pour dire Baba Cool, ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Non, mais toi, tu es mauvais. Non, mais il ne savait pas. Mais c'est un maîtris, lui. Ça m'étonne de toi, hein. Baba Cool, t'as pas fait plaisir ici. Mais est-ce que moi, t'as dit que je connais pas Baba Cool? Non. Tu connais pas Yves Doro? Je l'ai jamais vu. Mais tu connais, tu sais ce qu'elle fait dans la vie, non? Quelqu'un que tu l'as jamais non, vu? Non, 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 tu sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Je sais pas, je l'ai vu ici, plateau. Mais ça veut dire là, il dit que tu n'es pas d'actualité, tu es dépassé. Mais en tant que d'actualité, Baba Cool, là, tu peux pas aller le saluer. Où est le rapport? Non, mais tu es mauvais, tu le connais. Je le connais, je l'ai vu quand tu présentais. Baba Cool a commencé tout comme toi, comme ça. Aujourd'hui, tu peux aller devant lui pour lui demander des conseils. J'ai pas fait ça. Faut pas entrer dans les clans, faut pas faire ça. Non, c'est que les gens disent de toi, c'est vrai. Mais tu es grillé. Tu sais que quand tu parles. Quand tu parles beaucoup. Les gens disent de lui. Abbas, quand tu parles, tu oublies beaucoup. Il y a des choses, quand tu dis, quand tu te rappelles, tu ne le connais pas. Bon, là, je vais te poser une question. Vas-y. Je pense que tu te rappelles. Tu dis, aujourd'hui, tu es un stade. Il y a les personnes qui soulevaient les bagages aujourd'hui, ils sont locataires dans ta maison.
Ça, moi, tu le. Mais bien sûr. Voilà, non, c'est bon, c'est des bonnes paroles, mais il faut reconnaître ce que tu dis. Bien sûr. Voilà, tu vois. Ah, c'est faux. J'ai dit, prenez un bagage au marché d'abord. Mais ils ont été dit. Non, 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 mais ces personnes-là sont locataires chez toi aujourd'hui. Ils sont mais là. Bien sûr, moi, voilà. Tu m'as aidé. Voilà pourquoi, quand tu parlais de. Il y a tel qui a telle grosse voiture, la grosse maison, j'ai dit, il faut venir chez moi. J'ai tout donné une semaine pour rester chez moi. Grosse voiture-là, ça te fait mal. Grosse voiture-là. Ouais. Quand on va sortir, il faut regarder pour moi. Si c'est petite voiture, tu as gardé ça. Non, ici. Si ça te fait mal, on peut te mettre en contact avec les humoristes là, ils vont te donner un coup du mou. Parce que c'est les capsules de 3-4 minutes, tu as fait aussi. C'est ça qui te fait rire, 3 minutes là. Ah, 3 minutes, ça fait rire. Donc, moi aujourd'hui, là, quand on dit que quelqu'un est humoriste, c'est-à-dire tu l'invites sur ton plateau. De toute façon, tu es fort là. Tu l'invites sur ton plateau et puis tu lui donnes un sujet. Et puis il fait humour dessus, ça te fait rire là. C'est ça on dit, il est humoriste. Sinon, c'est pas parce que toi, c'est la maison. Pas ça, hein? C'est que toi, tu es à la maison et puis tu fais. Des vitreries ou des cloneries. Ça, c'est Ramatoula. Non, Ramatoula, il est celui qui fait des grimaces. Bon, c'est toi, tu connais le nom des gens. On va lui demander son mot de fin. On lui signale qu'il reste 4 à 5 minutes. Ah, non, on est quand même continué par là. Faisait deux émissions enchaînées. Il va voir. Tu sais pas qu'il était prêt pour toi. Non, on m'a pas dit, il savait pas. Ça passe. Alors, mesdames et messieurs, vous avez assisté tout à l'heure, je dirais. Bon, ils ont fait à couteau tiré, hein, à Bastille, à Nakonati, bon, enfin, toi, tout ça c'est le fa-fa. Toi, tu étais où? Moi, je suis l'arbitre, moi, t'as de vous séparer. Bon, enfin, il n'y a même plus mon sifflet. Arrêtez. Bon, Anaconda, toi, tu dis, Abbas est jaloux. Abbas, toi aussi, tu es jaloux. Tu n'es pas allé voir Babacool. Bon, Anaconda, quelque part aussi, Babacool, c'est ton dévancier. C'est ton dévancier. On va aller voir Babacool aussi. D'accord. Après l'émission, on va faire chemin ensemble. Pourquoi tu ne poses pas dire quelqu'un? Parce que le cas Babacool, quand tu m'as posé la question, moi, je connais Babacool. On s'est côtoyé plus ou moins. Oui. J'ai reconnu, mais lui, il dit, il connaît même pas Evie. Je ne l'ai jamais vu. Oui. Mais tu ne connais pas ses actualités aussi. Donc, j'ai qu'à le dire chez elle, moi. Est-ce que tu as canal chez toi-même? Non, il y avait un canal. Moi, il pétait des poulets, il y avait un canal. T'es même volé là. Même si t'es pétri, même mes enfants vont savoir. T'as des canards sur le toi. Alors, Abbas, ta série programmée en bon, je dirais, en prévision, la sortie pour quelle période? Non, jusqu'à. Actuellement, nous sommes au stade. Prévision, en prévision. Prévision, donnons-nous jusqu'à novembre-décembre. Voilà, la prévision, parce que bon, il y a les aléas, il y a beaucoup de choses. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Bon, donc, prévision. Voilà. Alors, bon, on va aussi chercher à te tirer ton mot de fin. Ton mot de fin, qu'est-ce que tu as à dire aux personnes qui te suivent, qui t'apprécient, qui pensent que par moment, comme Anaconda, que tu ne bouges pas trop. Non, je veux dire à tout le monde, je suis encore là, je suis passé Ibn Ouattara. Moi, je suis comédien, je suis encore là, je suis en train de travailler. J'ai pris du recul, je n'écoute pas les aigris comme Anaconda qui disent non, voilà, tu es jaloux, tu es comme si. Non, moi, dans ma tête là, je me suis fixé l'objectif de réussir dans ce métier. Je suis en train de tout faire. Et Dieu merci, j'ai dépassé le stade de popularité, je suis célèbre actuellement. Je ferai tout mon possible pour être star et pour vous faire plaisir. Je suis en train de tourner mes séries. D'accord. Je suis en train de préparer aussi des émissions qui vont passer sur des chaînes de télé. Et je suis dans la production aussi d'artistes. Restez connectés et ayez confiance en moi. Je ferai mon effort jusqu'à ce que Dieu m'enlève le souffle de vie. Je ferai l'effort de vous faire plaisir à tout moment et à tout temps. Ok, mais merci. Dis-moi, tu n'es pas parenté à Eric Bailly par hasard? Le joueur là, ah, il ne sait pas ce qu'il m'a fait aux gens. Qu'est-ce que c'est moi la tête pénalty? Ça m'a fait mal. Quand c'est lui, tu connais? Je connais beaucoup. Je connais même Masgrané. J'étais parlé de Tony tout à l'heure, de Aruna Denane. Vous, milieu là, quand il est malade là, vous ne venez pas en soutien. Les gens sont malades. Non, dans vos milieu là, quand il y a des malades là, oui. C'est... le plus souvent, on a affaire à des gens qui sont mal informés, comme toi, Anaconda. C'est pas injurieux, excusez-moi. Mais quand il y a les malades, c'est pas forcément votre aide finance qu'on cherche. Mais quelqu'un qui est malade, le malade a besoin d'argent. Je t'explique. Aujourd'hui, le gars peut être diabétique, le gars peut avoir AVC, le gars peut avoir telle maladie. Quand on met sur les réseaux sociaux, c'est pour que vous trouvez des remèdes. Votre argent, ça ne vous nourrit pas vous-même. Donc, on n'en a pas besoin. Vous, le comédien, vous n'avez pas besoin d'argent. Non. Quand il y a un malade. Non. C'est à quel malade qui t'a demandé l'argent, toi, en Afrique? Mais quand vous mettez Gaïbé sur les réseaux sociaux, à moi sur les réseaux sociaux, c'est pour dire. C'est mon ami ou bien c'est mes amis? Ça, c'est vous, c'est dans votre monde là-bas. Nous, on voit, on s'est dit, les comédiens. Bon, tu vois, tout à l'heure, c'est ce que je disais, Anaconda. Yes. Tu sais que dans la vie, moi, il a fait accident. Tu sais qu'il a fait tonneau. Je partais dans un spectacle là, à Guiglo. Moi, je t'explique, moi, qui roulait? C'est moi-même qui roulait. Il a fait tonneau à Boifflé. Tu as bien entendu ça sur les réseaux sociaux? Non, non. Ah, mais la ministre Raymond Goudou m'a soigné. Le petit frère du président Ouattara m'a pris, m'a envoyé dans une clinique. On a mis fer dans ma bouche, dans mon visage ici. Tu as vu ça sur les réseaux sociaux? Non, non. Ceux qui veulent mettre sur les réseaux sociaux, ils savent ce qu'ils veulent. Il y a lui qui n'a pas donné sa vie aux réseaux sociaux alors qu'on a. Non, il est libre. Donc, je suis libre de faire de ma vie ce que mais je veux. Mais quand on voit Gaïbé sur les réseaux sociaux qui est souffrant, qui est mourant,
Mais il est dans les domaines d'activité. Maintenant, David est mourant, il est stragué. Toi, tu as envoyé combien? Non, on a appelé des gens. Hein? Non, tu n'as pas appelé. Toi-même, là, tu as envoyé combien? Parce que quand tu veux parler là, parle de toi-même. Je veux parler d'organisation au sein de votre corporation. Voilà. On est organisé. Maintenant, dans l'organisation, c'est comme chez vous ici. Nous, vous êtes sur le plateau ici, là, non? Vous avez recevé les gens, non? Défalé, ces questions-là, quand il pose, lui, il mesure 3, 4 fois, il tourne 7 fois sa langue avant de faire. Mais toi, l'essentiel, c'est de poser. Parce que tu te dis, non, je dois marquer le temps. Donc, c'est la même chose dans notre corporation. Il y a d'autres qui se font respecter, et puis il y a d'autres qui vont dans du matu vu. C'est comme ça, la vie. Dans votre corporation maintenant. Ah, c'est ce qu'on a dit là, c'est faux, c'est vrai. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Votre corporation maintenant, quand elle est spectacle de Bonjour 2000, mais ce n'est pas théâtre. Vous faites comme les DJ de couper des calés là. Vous citez, chantez le nom des gens pour qu'ils s'élèvent pour donner l'argent. Nous, on a fait ça. Comédien, c'est le même là. J'ai dit, c'est ce que je t'ai dit. Mm-hmm. Où on est là. Mm-hmm. Chacun sait comment il est venu dans ce métier, ce qu'il gagne dans ce métier et ce que ce métier lui apporte. Mm-hmm. Moi, à base, je suis bien dans mon monde là. Dieu merci. Je n'ai pas mis sur les réseaux sociaux que mes enfants ont faim. Mm-hmm. Ma femme n'arrive pas à se lever matin. C'est que si j'ai vu ma vie. Tu m'as vu sur ton radar, c'est que tu es bien. Mmh. Tu ne m'as pas vu, j'ai vu. C'est l'essentiel. Alors, Abbas. Je vais partir. Je pense que notre vidéo va tirer à sa fin. Il est temps que tu partes. Parce qu'Anaconda, apparemment, ne veut pas. Il est fin. Parce que les autres, il est dans la barre. Non, il est fin. Non, il est fin. Il y a des maquillages. Ça, là, ça, il est non. Pas. Non, mais non, le mot même être jaloux, là, même, il y a ça. Dit que non. Il est le directeur même écoute de monsieur, là. Il va mis à pied. Parce que Anaconda, c'est un grand fan du monsieur. Non, il y a des maquillages. Il s'abuse. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Petit peu de lever. Moi, si je joue des paroles. Alors, mesdames et messieurs, notre émission tire à sa fin. Nous avons reçu aujourd'hui Abbas, c'était une très très belle émission, on a appris beaucoup de choses, il a choisi de vivre sa vie d'une certaine manière, donc il s'est donné une ligne de conduite qui va avec sa vision et il faut l'accepter, c'est pour ça qu'il n'est pas assez souvent trop présent sur les réseaux sociaux, il a donné sa raison, alors je pense que tout le monde a compris. Surtout sortez couverts, big up à la marraine Mathilde et Erika, bien le bonjour à Ange, bien le cultivateur, toute la grande famille, Kangala le berger, merci à tous ceux qui nous suivent, des quatre coins du monde, depuis la France, tous ceux qui sont depuis Paris, Dion Ange Memphis, depuis Montpellier, la grande famille, big up à vous. Restez connectés, on est ensemble.